Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 19 pour le premier épisode de notre série forestière. Alors, au début, je voulais l'appeler le petit bûcheron, hein. Et du coup, je vais l'appeler la petite entreprise de bûcheron. Donc, ça sera plutôt la petite entreprise en forestier. Voilà. Donc, on est sur une map 100% bois. Si je vous fais ça. Voilà. Donc ici, il n'y a que du bois, du bois, du bois. Donc vous voyez la colline, c'est ce que vous avez vu en, on s'appelle, en photo. Donc voilà, etc. On est en difficile. Donc, je vous montre, on a 500 000 euros. D'accord? Si je vous montre la carte, le nom de la map, je ne sais plus le nom. Est-ce qu'elle est dans Échappe ou pas? Non, ouais, machin, mais du chouette. Crazy Mountain Chimney. Je vais pas vous dire de conneries, hein. Non, elle n'est pas marquée. Donc, c'est pas une map pour. Ce n'est pas une map pour. De la récolte, c'est une map forestier. Je vais vous expliquer cette série. Je vais vous expliquer en détail. Déjà, on va acheter les terrains. Donc, il y a pas mal de terrains. Ça vaut pas très cher. Ça vaut pas très cher. Il y en a qui vont plus cher. Maman, je leur ai mis à 600 000 euros ici. À Paris, ici, j'en ai mis un peu plus cher. Là, voilà. Là, on a ça. Là, ils ont ça. 50, 42, 42, 62, 62, 45, 33. Ah oui. Ouais, 30, donc il y a celui-là qui est moins cher et celui-là. Pour commencer, on va être ici. Donc je vais vous expliquer cette série. Voilà. Donc on va acheter ce terrain. Oui, je veux bien. Voilà. Donc on va aller au magasin. Donc non, pas de terrain. Si je mets la touche haut, ça serait bien. Non. Ça, le magasin est tout en bas. Donc ça va en, alors, faut savoir là qu'on a un véhicule dans la map quand vous arrivez. Donc je suis en difficile, hein, l'économie est très difficile à nous de s'adapter. Ouf, ah oui. Donc on va aller prendre la route direction le concessio. Alors je vais vous expliquer le but de cette série. Alors faut que je suive le chemin. On verra bien. Voilà. Donc, le but de cette série, est-ce qu'il y a des voitures sur la map? Non. Alors, j'espère que vous entendez bien le son du jeu, sinon je vous montrerai un tout petit peu le son du jeu. Je vous explique le but de cette série. Donc, les vidéos, ce sera tous les 2 jours de cette série, d'accord? C'est une série détente, donc je ne sais pas quand elle va durer, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Voilà. Je ne veux pas vous dire de faux espoirs, donc la série est ici et le concession est ici. J'ai pas le follow me, j'ai encore, je l'ai oublié. Bon, ça me fera un point spawn. Là c'est vrai, donc ici on achète, là c'est le banquier. Donc voilà. On va s'acheter un tracteur. On va s'acheter un tracteur, je vais pas s'acheter celui-là. Il faut savoir qu'il y a le classe 420 Arion qui est sorti. Alors il coûte 25 000, mais je vais essayer de le modifier. Et pour ceux qui ont suivi l'épisode 14 de il est tellement bon, plus j'aime bien plus celui-là. L'épisode 14 sur la plaine ardennaise. Alors il est bien, mais il n'y a pas de configuration de moteur de ouf, hein. Il faudrait que je trouve, je modifierai parce qu'il sera en privé. Vous avez vu que j'avais plus le Renault. J'ai oublié de vous expliquer que le Renault, je l'avais modifié. Je veux savoir si vous avez vu l'achat du Renault. La première fois qu'on l'avait acheté, il coûtait 130 000. Et il y avait deux motorisations. Je crois qu'il y avait le 920 25, 925 et 936, si je me souviens. Là, j'ai complètement modifié. J'ai fait comme celui que j'avais sur Effet 17 que vous avez vu. J'ai juste modifié la motorisation, donc on a un 915, donc ça c'est le prix, c'est le véhicule de base. On a 925,
926, 935, 936. Il faut savoir que de base, c'est 920, 915, d'accord? J'ai mis le vrai nombre de chevaux et la vraie capacité. Normalement, le 925, il a un petit peu moins de litrage que les autres motorisations du tracteur. Du coup, j'ai pas arrivé à modifier, j'ai laissé comme ça. Je l'ai mis à 63 pour au moins que ça roule un peu comme les Fendt. Voilà, on va dire que il est passé, comme dit le savoyard et le patou, pour ceux qui le suivent, il est passé chez Mendes. Voilà, lui aussi. Donc, on a 900. Alors, j'ai regardé la fiche technique. Quand j'ai fait 17, j'ai eu pareil, j'ai regardé la fiche technique du Renault, sauf que j'ai pas pu, j'ai pris le, de toute façon c'est le 2002, et j'ai voulu voir sur le 2002, il n'y avait rien en termes de motorisation, j'ai dû regarder sur le 2001, parce qu'en fait il n'y a rien sur le 2002, il y a toute la cylindrée, tout ce qu'il y a, mais il n'y a pas, je crois, la motorisation, donc le nombre de chevaux sur la motorisation, et le prix. Donc j'ai dû prendre mon mode, le mode que j'avais sur le F17, donc que j'avais, voilà, et modifier. Donc on a le 915 qui a 197 chevaux. On a alors, il faut savoir que le 925 et le 926, ils ont 226 chevaux, d'accord? Mais j'ai modifié pour qu'ils soient différents des autres. Hein. J'ai modifié pour que ce soit différent des autres. D'accord? J'ai modifié pour qu'ils soient différents des autres. Donc le 925 est à 210 au lieu de 226. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait le prix qui changeait des deux motorisations, mais pas le nombre de chevaux. Donc, du coup, pour que ça aille avec le prix, j'ai baissé un petit peu la motorisation du 925. Le 926, je l'ai laissé à sa motorisation qu'il a, avec un prix bon correct. On a le 935 à 238 chevaux. Lui aussi, j'ai fait pareil parce que c'était 250 chevaux. D'accord? Et 250 chevaux pour le plus gros. Alors, si vous regardez bien, d'accord, vous regardez bien, hop, alors vous voyez 915 en bas, d'accord, ici c'est marqué 925, d'accord. Si je fais pareil, 925 là c'est correspond, 926 et sur tracteur c'est 925, c'est pas bon. 935 et là il y a 925, c'est pas bon non plus. 936 et 936, c'est bon, c'est que j'ai pas pu modifier. Ce qui était marqué dessus. Bon, ben on va laisser comme ça. On a quand même les différentes motorisations et les prix varient. Et le prix réaliste pour 936, c'est 226, c'est 226 000 euros. Voilà. Donc nous, on va partir sur un tracteur que j'ai jamais pris, mais qui est beau. Voilà. Donc ce sera les débuts d'achat. Il y a quoi? Il y a Michelin, il y a Trailborn, Michelin, ouais, Michelin, on va prendre ça. Ouais, bon, un peu, je trouve qu'il est mal fait au niveau des roues, mais c'est pas grave, il est bien. Personnalisation. Je vais laisser comme ça. Donc, configuration, 140 chevaux ou en 275 chevaux. Je vais prendre 175 chevaux. On va l'acheter pour 81 000 euros. Voilà. Retour, on va s'acheter. On va s'acheter. Bim, bim. Donc le classe va être modifié. Faudrait que je le retrouve dans la fiche technique. Mais ça, c'est facile à faire. Hein. Il suffit de bien regarder où c'est et tout. Bim. Hop, on va prendre ça. Pour tirer les armes, il nous coûte, voilà, 4 000 euros. Et peut-être qu'il y aura des modifs. Parce que je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être faire. Des trucs. Alors, lui, je le mettrai, je reviendrai à la ferme peut-être, parce qu'il me manque, il faut que je télécharge d'autres modes encore. À la fin, il n'y a que ça en mode forestier. Est-ce qu'il y a des trucs? Non. Il est très bon en plus. Ouais. Je crois pas que j'ai le feu en ligne, mais c'est pas grave. Ah. Ouais, l'affichage en haut, comme vous voyez, on va se mettre en vue intérieure. Voilà. Et on va se mettre un petit peu en vue. Voilà. L'affichage, vous voyez en haut. Là, je vais baisser mon outil.
Donc là, c'est bon. Mais là, je vais lever mon outil. Et en haut, ça met pas le truc comme quoi il est enlevé. Mais bon. On va. On a combien de minutes? Parce que le temps que j'arrive à la ferme, bah, j'arrive à l'endroit. On est à 10 minutes de vidéo sur mon portable. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, ce sera des vidéos pareilles que sur la map ardennaise, hein, comme vous avez pu écouter. N'hésitez pas à écouter ce que je dis dans les vidéos. Comme ça, vous êtes au courant. Alors, je sais pas pourquoi c'est marqué rouge, jaune. On sait rien. Alors, il y aura peut-être pas un début, mais d'achat de matos, peut-être, je mettrai dans les commentaires. Bon, attends. Et on va faire comme sur la map ardennaise. Voilà. Bim. On va vendre ce véhicule. Et on va s'acheter un autre véhicule. Ah merde. Oui, je veux vendre 27 000 euros. Donc on n'aura pas perdu grand chose. Donc voilà. Non, c'est pas ici. C'est ici. Donc aujourd'hui, alors on va acheter. Donc je vais tester ce véhicule là pour commencer. Ouais, s'il est bien ou pas. Vous vous souvenez de ce véhicule, hein? Cette fois-ci, on va pas faire comme le Terry, on démarre avec 3000 euros. Ah oui. Ah oui, cool. On va l'acheter. Retour. Ben je crois que je vais prendre celui-là. J'ai pas mis le jeune dire. Voilà. Et je vais prendre le Dodge Ram. Donc voilà. Alors on va se le prendre. J'ai envie de le changer de couleur. Cool, il a l'air joli en plus comme ça. On va se mettre en configuration. C'est les roues, ça, je crois. Néon, on va se les mettre en rouge. Ah non, c'est l'intérieur. L'intérieur rouge. Oh, il est cool. Rouge. Ça fait dégueulasse. Ou blanc. Ou gris. Ou sorte de beige. Ouais, c'est cool. Voilà. Et puis pick-up, je sais pas. Non, moi je pense que je vais partir sur celui-là. Voilà. Alors, configuration. Donc, on va lui mettre une petite caisse. Voilà. On fait tout en même temps. Non, je vais pas prendre le style. Je prends standard. Parce que j'aurai pas de remorque. Voilà. Et on va prendre le 5 litres 7. Donc, voilà. On va se faire un petit peu plaisir aujourd'hui. Voilà. Pour une valeur de 37 000 euros. Donc voilà. Voilà un petit peu les achats. Donc lui. On va tout ramener. Ce qu'on va faire, on va faire que des voyages avec le camion. Et le tracteur va nous servir pour tirer. Ah, le petit Mendra couleur noire. Voilà. Lui, il va nous servir pour aller dans les bois. Ah, j'ai oublié un truc. Ouf, bah, le petit drift. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'espère. Je suis enrhumé. Je vous excuse hein, si vous m'entendez renifler. Parce que j'ai pas le mouchoir sur moi. Bon, d'accord. Donc, on a pas mal de matos pour le début. Et je pense que le crédit, on va pas le taper dedans. Bon, voilà. Et on va prendre la petite remorque, on sait jamais. Hein. On sait jamais. On sait jamais. Voilà. On va se mettre là. Ah oui, je dois avoir le... Ben ça, il faut que je modifie.
Bah, il faut que je modifie le start and go. Donc pour une fois, voilà. Bon, ce serait une petite vidéo détente. Voilà. Alors. Ah oui, bah chargement de la map, c'est cool. Voilà. Alors, il nous faut la remorque. La remorque, ça doit être dans remorque, je pense. J'ai pris la tonne au cas où, pour peut-être faire plein les véhicules. J'ai pris une petite remorque, j'ai pris pas mal de mods, mais pas beaucoup non plus. Donc ça, on la prend, bim, pour transporter des trucs. Voilà. Fais voir lui combien. Il n'y a pas de touche. Ouais, bah lui on va le. Il fonctionne. Je vais juste le modifier, on va le mettre en petite benne. Vous savez quoi? On va le laisser comme ça, les gens. Edoui, machin, milieu chouette. Qu'est-ce que je veux chercher? C'est pas ici. Voilà, c'est sûr, on va faire lente. Voilà. Faible, voilà. Oh, non, c'est bon. Voilà. Ok. Il a un attelage, ce 4x4, ce véhicule. Il a un attelage. Mais est-ce qu'il peut atteler la remorque derrière? Si oui, oui. Sinon, ben. Ouf. Ah, si. Ah, c'est bien fait parce que c'est les types d'attelage, on était toujours comme ça. Hop, bon, on va enlever l'aide. Et vu l'intérieur, bon, il roule à 123 mais il est lent. C'est un vieux. Je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais dites-moi dans les commentaires ce que c'est comme camionnette. Parce que là, on va tout ramener. Donc la vidéo va être un petit peu plus longue, une petite vingtaine de minutes, et après, on fera que des vidéos de 15 minutes. Je vais essayer d'avancer en off, ça fait encore une série en plus d'avancer en off. Et ben moi je me suis bien arrêté. Il a du mal, il a du mal. Hein? Voilà. Et on va ranger la remorque. Et il y a l'achat de la tronçonneuse, et oui. Parce que je pense que je vais tous les amener ici. On va se la mettre là, la remorque. Parce que c'est avec le buggy. Le pro de la marche arrière. Voilà, donc pour une première épisode, on n'aura pas fait grand-chose, mais on aura pas mal investi. Voilà. Lui, je l'aime bien. En vue intérieure, il est bien aussi. Ah, j'ai cru que l'aiguille de à droite, elle bougeait pas, si. Alors, on est à 30. Ouais, c'est un peu bégayé. Il faudrait qu'il rectifie juste ça. Il modifie juste ça, mais voilà. Donc voilà notre petite 4x4, ça ce sera pour aller voir les terrains, pour se déplacer. On va jouer un petit peu RP, mais pas que. Bah si tu freines, ça serait bien. Par contre, ce que je reproche, c'est les freins. C'est les freins à ce 4x4. Il faut freiner bientôt. Donc c'est bien, on n'est pas loin de la pointe du concession. Je pense que la Syrie est par là-bas. On verra bien. Donc, on va faire pas mal d'allers-retours au début. Mais le but, j'ai envie de faire un truc ici. C'est faire notre petite entreprise ici. Et que petit à petit, on agrandisse notre terrain, etc. Bah lui, on va le mettre ici. Voilà, on va reculer. Voilà. On va faire quelque chose qu'on aime bien.
Je vais me garer bien comme il faut. Je vais pas trop me serrer parce que quand je sors du véhicule, il faut que. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Voilà. Et je peux passer. C'est cool. De toute façon, on ira faire un tour dans la forêt pour voir plus tard. Et on va s'acheter en vidéo la petite tronçonneuse. Donc, ça va être une style. Je vais pas me faire chier pour 1000 euros. Donc, on va calculer combien de dépenses on a fait. Combien de dépenses on a fait. Le tableau ici. Véhicule vendu, ben, c'est la camionnette. Et on a fait, voilà, on a fait 165 000 euros. On n'a pas de crédit, hein, les gens. Donc, on reste 100, on a dépensé 179 000 euros. Peut-être qu'il y aura du boulot dans les. Je sais pas. Si, je sais pas si le bois est tout. Et la série était ouf. Bah, c'est ce que je disais. Bah, la série est en bas. Ouais, c'est donc c'est cool. Donc voilà. Donc sur ce, on va se laisser pour cette vidéo. Donc pas mal d'achats. Pour 180 000, c'est ça? 180 000 euros d'achat. Voilà, voyou, donc je vous explique, le petit Mendra lui va aller aux alentours de la ferme pour voir un petit peu tout. Quand on aura plus de, par exemple, des. Pour, comment dire, pour le copeau, etc. Avec sa petite remorque qui sera dédiée à lui. Parce que c'est les mêmes roues en plus, c'est les mêmes roues. Et ouais, bah c'est fait pour Mendra, mais c'est fait aussi pour 4x4, le camion que vous avez vu. Hein. Le 4x4, c'est pour aller voir l'autre site. Oui, parce que quand on aura tout abattu, ben, il faudra aller sur l'autre site, déplacer notre matos. Le camion, ça sera pour livrer le bois. Et le tracteur, ça sera pour ramener les bois couchés. Qu'on aura coupé à la. S'il veut bien. Voilà. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker ou à disliker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo. N'hésitez pas à avoir les liens à regarder les liens dans la vidéo. Et voilà, les différents liens, etc. Le site, je vous dis, n'est pas toujours fait parce que je tourne les vidéos en avance, faut que je fasse le montage, etc. Donc moi, je vais laisser là pour cette vidéo parce qu'on est à combien de minutes? Je blablate, mais on a fait des achats. On est à 22 minutes. Ah oui, quand même. D'habitude, je fais des 15 minutes. Mais alors, bon, là, c'est que c'était l'achat, etc. Donc moi, je vous laisse là pour cette vidéo. La semaine prochaine, il n'y en aura pas de vidéo forestier. Comme je vous ai dit, c'est tous les 2 semaines. Donc, ça sera dans 15 jours. Voilà. Mais vous aurez votre série sur la map. Pas la map, pardon, mais sur la nouvelle map. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouvera pour une autre vidéo. À plus, à plus.